Salut à tous mes petits agneaux adeptes du redneckisme, bienvenue et bienvenue pour la sortie officielle du jeu Astronir. Ça y est, il est là, il est beau, il est magnifique, il est fluide. Ça y est, il n'y a plus marqué bêta, il est merveilleux. Et ouais, c'est génial. Hein, salut Captain, au passage, salut Captain. Vous ne vous rendez pas compte à quel point il attendait de vous faire ça, il attendait que ça. Allez, on revient. On y est, ça y est. Le jeu est officiellement sorti et donc on s'est pas trop spoilé en attendant. Hein, voilà. On a réussi à se retenir et il est à fond. Il est à fond le capitaine et franchement le peu qu'on a vu est absolument génial. Regardez-moi ces graphismes. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ah non, j'avoue la forêt aussi, à côté elle est magnifique. Alors bon, vous voyez cette montagne. Dites-vous que je vais la trouer de part en part, ça va devenir un gruyère. Hein. Donc j'espère que vous aimez le fromage parce que il va plus y avoir beaucoup de montagnes après. Non, franchement, c'est beau. C'est beau. Et on est sur une planète type Terre en fait, hein, grosso modo. Ah oui, là, me semble. Alors regarde, nouvel élément déjà de base, oxygénateur. Oui, Vivi. Oh. Oh, c'est quand je te mets en PLS à cause d'une de mes conneries, c'est ça? Alors, je sais pas, sinon on appellerait ça un broyeur, ça m'étonnerait que ce soit ça, du coup. Mais non, l'idée... l'idée, ça va être, apparemment, ça fournit un flux d'oxygène aux rallonges et câbles d'alimentation. Donc en gros, si on n'a pas ça, nos rallonges, elles nous fournissent pas grand-chose. Ah, ça c'est intéressant. Si je comprends le délire. C'est intéressant, c'est juste, honnêtement, j'ai pas l'impression que ce soit connecté, tu vois. C'est bizarre. Mais on dirait que ça marche pas. Enfin, il y a pas de couleur, il y a pas. Non? Ou c'est moi qui. Mais je sais pas. Écoute, là c'est. Tu vois, regarde, on voit le flux. On voit le flux. Hein, regarde ici. Ouais, mais sur regarde, le, là, ça génère de l'oxygène là. Si tu regardes devant, t'as la petite barre qui génère. Écoute, j'en sais rien. C'est un truc qui nous file de base. Oui, voilà, on prend. Biographie. Y a pas de problème. Il y a plein de nouvelles choses, c'est dingue. Du coup, regardons un petit peu tout ce qui est lié. Première étape, trouver de la composite. Tiens, je vais te filer ça. De la résine. Ça trop bien. Hein, oui. Comme merci. Ça, tu vas pouvoir faire des filtres d'oxygène et aller un peu explorer. Oh oui, c'est bien ça. C'est bien. Parce qu'on avait un stack de résine juste à côté. Ouais, trouver composite. Yes. Tout à fait. Mais vous le savez, je suis le mineur américain russe, donc il va falloir solaire, que j'aille. Oui. Il va falloir que j'aille miner, moi. Alors, hop. Oui, les mines aussi voilà, ont parfait. Beaucoup changé. Ah ouais? Oh là là, tu verras au fur et à mesure en fait. C'est soit tu vois un élément qui dépasse du sol, tu creuses et il n'y a que ça, soit il y a un filon complet dessous. D'accord. Ah ouais, c'est les plantes comme de la ça, chance ou quoi. C'est de l'organique, d'accord. Et ça te. Les plantes, oui, oh, ça c'est l'organique. Beau. C'est beau. Je sais pas si t'as remarqué, mais quand tu laisses le curseur de l'aspirateur, enfin le pistoprout, sur une ressource, t'as le symbole de la ressource. Sur une quoi? Mais admettons, je sais pas, t'as de l'organique à côté, mais fais comme si tu allais aspirer l'organique et tu verras que t'as l'icône de la ressource qui se crée. Ah oui, mais je suis en train d'aspirer, donc ça me le fait pas. Mais je savais ce que c'était. Oh, c'est un détecteur de minerais. Je savais que ça allait te plaire. C'est un détecteur de minerais. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Alors tu verras, il y a certains minerais aussi qui ont changé de forme. Par exemple, la latérite, ça ressemble plus au cristal qu'on avait plein de pics. Tu verras. Oh, excellent! Mais c'est trop bien! T'as juste qu'à faire, tu sais, comme les chercheurs de minerais, toi, tu sais. Tu vas faire le bip-bip bientôt. Non, mais c'est génial! Moi, j'ai un c'est peu génial. Récupéré de la composite, je rentre. Donc, moi, je suis en train de récupérer, du coup, de la résine. Voilà, faute de mieux, c'est puisque bon. j'ai ouais, ça. Non, mais c'est bien, il faut résine et composite au début.
C'est parfait. Donc du coup, les amis, le jeu est enfin sorti dans sa version totale et absolue, ce qui veut dire qu'on va pouvoir commencer un let's play qui, on l'espère, va durer total un sacré bout aussi. De temps. Voilà, un total et absolu. Hein. On est ambitieux, hein. Vraiment, ça va être le let's play, il va durer en veux-tu, en voilà. Donc dès à présent, les enfants, vu que la version est, je l'espère, stable et sera prête à nous supporter, je pense pas qu'elle sera prête à nous supporter, mais non, elle va quand même essayer. Il n'y a aucun jeu qui est prêt à nous supporter. Je pense que ça n'existe pas encore. Ouais, c'est pas faux, ça. Il devrait nous embaucher, tiens. Voilà, faites passer le message, il devrait nous embaucher. Histoire de tester la fluidité des jeux. Sur l'imprimante, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Ça, tout j'ai fait une petite plateforme, on peut mettre la grosse imprimante. Là, c'est bon, tu l'as mise. Ah, c'était qu'un seul. Oui, ah, oui, c'est un seul, c'est une petite plateforme. Oh, ok. Donc du coup, voilà, là, pour notre priorité, ça va être d'explorer tant les planètes que les technologies et de découvrir toutes les nouvelles mécaniques du jeu et tout ce qu'il y a comme nouveauté. Ça va être notre priorité, ça va nous occuper une bonne partie du début de cette coop, hein, tranquille. Ah oui, bilou. Après, une fois qu'on aura bien des bases solides, on pourra commencer à faire un petit peu des conneries, en tout cas faire des tests sur... ce que l'on peut faire. Ah oui, ça avait l'air de bugger, mais en fait, non, ça marche. Non, c'est juste que j'avais cliqué à côté. T'inquiète pas. Tu me passes la résine, s'il te plaît. Premiers avis. Pardon ? Passe-moi la résine, s'il te plaît, ouais. Tiens, bien si sûr, tu veux faire des rallonges. Hop là. Ah oui. Oui, ça me sera utile, ça. Oula. Ça ramouille un petit peu, je trouve. Ah bon ? Tant mieux que ce soit chez toi. Ah bah oui. Bah écoute, tant mieux, ouais, voilà. Parce c'est que pas oui, maintenant c'est moi qui host la partie. Ah ben oui, c'est vrai. On va pouvoir boulot tester de plein de trucs. Enfin, moi je vais pouvoir tester plein de trucs surtout. Ah, ça c'est clair, oui. Il y en a au moins un des deux qui va bosser, hein, voilà. c'est pas comme la diva qui ramène sa gueule tout le temps. What did you say? Bien sûr, tu ne vois absolument pas de quoi je parle, évidemment. T'es très énergique ou quoi ? Bon. Ou t'as tout cramé ? J'ai tout cramé, mais je sais où en trouver. Okay. Vas-y, n'oublie pas de te faire les bonbonnes pour ton pistolet prout aussi. Oui, je me disais bien que j'avais oublié un truc. Ah là là, je vais pouvoir sacrément miner, hein. Bon. Ah oui, Il va y avoir de quoi miner, il va y avoir de quoi explorer. J'ai pas regardé s'il y avait des navettes. Est-ce qu'on peut construire des navettes? J'ai cette impression qu'au fur et à mesure qu'on va construire les bâtiments, on va avoir de nouveaux plans. Genre nouveaux, hein, pas à débloquer actuellement. Genre de nouveaux crafts, quoi, au fur et à mesure. Tu penses? Je sais pas. Je sais pas. Je serais... Il y a des nouveaux, trucs, hein. On peut regarder ensemble si vous voulez. Bah, mais ouais, clairement des nouveaux trucs, hein. De quoi faire une bonbonne, et vas-y, effectivement, vas-y. Je veux bien prendre une minute ou deux pour voir les nouveautés, hein, vraiment, on peut se le faire mettre sur cet épisode. Alors, voyons voir. Dans le premier onglet, il n'y a pas l'air d'avoir de trucs... il y a des modules de forêt différents. Analyse, éclairage, on a un emballeur. Oh, un emballeur. Mais t'es où? Là, je regarde les plans, tu sais, avec Shift. Mais t'es où? Mais dans quel onglet? L'onglet de gauche, tout à gauche. Le premier? Bonbonne, balise, éclairage, emballage. Ah oui. C'est du graphite, il faut. L'emballeur, c'est ce qui va transformer en paquet les bâtiments. Enfin, les trucs, tu vois. Ah oui. Oh, ça, c'est génial, ça. De pouvoir réemballer cool. Les paquets. Excellent. Ah ouais, c'est bien. Réservoir d'oxygène. Oxygénérateur portable. Alliage de nanocarbone. Il est pas pour tout de suite, lui. On n'est pas arrivé avec ça. Petit solaire, éolien, les piles, batteries, prolongateur, ok. Bon, dommage, je me serais attendu à un petit réacteur nucléaire portable. Mais bon, on fait avec ce qu'on peut. Accessoire booster classique, module large et étroit. Un inhibiteur, on avait ça, nous? Ça me parle, ouais. Module, ça me parle. Module alignement. Astronir, m'aurais-tu écouté? Analyse de terrain. Oh, le ça, mode du Mexicain. On l'avait déjà. Ah, t'affole non, pas. Bon, c'est quand même le mode du... Des modules de forêt différents. Non, module alignement. Mais ça, c'est de la terraformation, tout ça. Des modules. Ouais, mais... Oh, module de forêt 3. Oh, il oui, me parle. Oui, je t'ai dit. Oh,
Oh, il me dit des trucs. Bon, bref. Je te laisse regarder, moi je continue, hein, y en a qui bossent. Feu d'artifice, petite... Oui, bah, je fais ma diva, hein, voilà. Donc, oxygénérateur, ça on l'a déjà vu, générateur, t'as ramené d'accord. La... Polaire moyen. Oui, pardon, excuse-moi, tu veux de la résine, oui, peut-être. Il me faut de la résine, s'il te plaît. Ah, voilà de la résine, voilà. Il dit rien, mais j'ai des ressources quand même. Moyenne batterie. GTR, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, le GTR, je sais pas ce que c'est. Alors ça... Oh. Oh, c'est trop Grand bien! Grand Turismo Racing, peut-être, j'en sais rien. Je... Le développeur qui s'est gouré de jeu, tu sais. Pour pouvoir construire des bagnoles et les pimper. Un répartiteur. Qu'est-ce que c'est? Stockage moyen. Plateforme moyenne. Ok, jusqu'à rien de nouveau. Un broyeur moyen. Ok. Le tracteur. Une le remorque. Le tracteur, évidemment. Alors ça, il me le faut. Ah, je sais pas quoi il va servir, mais... À mon avis, c'est vraiment le premier truc qu'on peut construire en véhicule, donc... Oh, ça m'excite, ça. Puissance de forêt 1, puissance de forêt 2, puissance de forêt 3. Toujours plus de pénétration, ça c'est bien. Propulseur à carburant solide, propulseur d'hydrazine, très bien. Le treuil, bien sûr. Et l'imprimante moyenne. Ok, stockage grande plateforme... Plateforme moyenne C, ça c'est une nouvelle plateforme qui a l'air très cool. On peut construire une aire d'atterrissage, ça c'est cool. Il était temps. Aluminium céramique, c'est pas excessivement cher. Une salle de recherche, ça c'est le grand classique. Four de fusion, c'est pas okay, nouveau. La salle de recherche, c'est pas nouveau. C'est fait. Bon, labo de chimie bah, aussi. Faut explorer. Oh, condensateur atmosphérique, oh, c'est sympa ça. Plateforme des champs. Tu regardes le catalogue. Grand broyeur. Ah oui, moi je regarde le catalogue automne-hiver Astronir 2019, hein, mec. Hein. Ah oui, clairement. Oh, un buggy! Oh, trop bien. Un rover, ok. Siège de grand rover, une grue, une imprimante, oui, non, ok. Ensuite, on peut faire un abri. Il reste l'abri que l'on a déjà. Mais c'est toujours utile d'avoir un abri par ouais, c'est surtout si on a planète. une autre base ou sur une autre planète, ouais. Un truc comme ça. Ouais, vu qu'on a des aires d'atterrissage, oui, effectivement, on peut créer du coup nos bases et les. Ça c'est cool. Voilà, de la latérite. Stockage, très bien. Oh, c'est plateforme dangereux. Extra grande. Plateforme extra grande B. Oh là là, rover grand. Petite navette, moyenne navette, grande navette. Ça a l'air d'être d'énormes. Vous avez compris, mais ok, c'est pas du tout le même schéma que les navettes que nous avions. Hein. Ah ouais, non, mais là, c'est plus du réapprentissage, là. C'est. Oh là 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 là, ça c'est beau. Ça c'est on beau. On va jeter tout mais... ce que vous connaissez, là. Mais, vous le savez, moi, je suis une mine américaine. Je n'oublie pas mes bases, mes classiques. Je dois miner. Voilà, donc je vais miner. Je deviens le fil rouge de l'émission. Tellement, tu sais que tu vas tellement mourir. Tellement. Mais c'est rigolo, c'est hyper cool. Hyper dangereux de descendre dans les grottes. Je t'invite à suivre le câble qui part de la base. Ah ! Et à me rejoindre, je suis dans une grotte. Hey, tu fais bien de me le dire, j'étais parti ailleurs. Bien sûr. Je suis un peu dissident, désolé. Oui, ça aurait été contre. Oh, toujours la glissade. Oh là 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 là. Glissade, oui, la glissade. Oui, non, boum. Oui, ça va. Regarde la latérite, regarde. J'en ai déjà derrière moi là. Récupère, s'il te plaît. Mais c'est trop beau. Regarde tout ce qu'il y a. T'as vu? Oh, oh là là. Elle est bloquée, cette ressource, ou... Voilà. Autant elle est... Vas-y, t'arrives pas à la prendre? Non, il y a un bug. Enfin, il y a une ressource, je peux pas la prendre. J'en vois plus, là, donc... ouais, non. Ça doit être un petit bug. Bon, ben, vous avez la preuve à l'image. Je suis capable de faire de la lévitation avec... des métaux invisibles. Voilà, merci, c'était garanti sans trucage. Vous aussi, likez cette vidéo pour voir sans Over le magicien. Alors, oh là du coup, là, avec ça, il va nous falloir de recherches. L'exploration. Oh. Aide de recherche d'exodynamique. Unité de recherche sur terrain. Insérer la ressource adéquate pour débloquer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est dans la grotte, ce truc? Oui,
viens voir. Alors attends. Viens voir, viens voir. Oui, oui, deux secondes, je vide, je me mets... Je vide un peu mon inventaire parce que j'ai été blindé de la térite. Oh là 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 là. Je reviens. Oh, ça va devenir Stargate SG1 ce truc. Il va y avoir des explorations partout. Et on va passer la porte. C'est ça, on va passer une porte, on va tomber sur Teal qui va nous regarder avec son sourcil lourd de sens, tu sais, en mode... Tecmaté. En effet. Tecmaté. Regarde. Oh, ah oui. Ah, je suis en train de mourir. Ah, c'est bon. Je t'ai sauvé la vie. Allez, et deux. Eh oui. Alors. T'as vu Une aide de recherche d'exo. Insérer... Alors, attends. La ressource a des coins... Mais c'est écrit, c'est le symbole. Mais c'est quoi? C'est pas de la... Mais c'est pas de la... Par le haut, je suppose. C'est pas une résine qu'il lui faut? Non, mais y'a rien. Non, pour c'est la latérite. Non, c'est la latérite qu'il lui faut. Comment tu sais? Comment tu... Parce que c'est le même symbole que la latérite, on dirait. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un truc à enlever peut-être? Je sais pas. Ouh, ça donne de la recherche maintenant. Ça, c'est cool. Ah, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Attends, ça m'intéresse. Attends, comment t'as fait? Regarde. T'es où? Ah oui, d'accord, ouais, ok. Boum! Bim! Et à l'intérieur, Wow, tu te calmes. Et ça, c'est un débris récupérable, je suis sûr. Détritus, objet indésirable, trop grand pour le processus de récupération. Ah, dommage. Et du coup, c'est quoi? Ben, on a eu à peu près 500 octets de... pour les recherches. Quoi? 500 octets pour une latérite? Ça va! C'est de l'arnaque! Attends. C'est de l'arnaque! Je la lâchais pas avant 2000 octets, moi, minimum! Ouais, non, mais toi, t'es un... Oh, y'a de l'abus! Mais non! Récupère non, les recherches, c'est du business! Oh, c'est quoi tellement ça dangereux! Oh, trop bien! Il y a des petits scans à faire, c'est trop cool. Oh, en plus, il y a un success team qui m'a l'air génial, qui consiste à accumuler 100 000 points de recherche. Enfin, 100 000 octets, quoi, traduction. Autant vous dire que... les octets, on va les farmer. Ok, bon. Donc là, c'est encore du quartz. Ouais, ça va être utile pour tout ce qui va être oxygénateur, ce genre de truc. Moi, je prends, hein. Moi, ça m'excite, hein, je récupère. Ah oui, bah ça va. Père. C'est dangereux? Oui, c'est dangereux. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est attends, recherche. Mais les tuer? Les tuer, ça rapporte des octets? Oui! Ah ouais? Oui, ça tuer, fait comme les bestioles qu'on avait eues sur la dernière planète, du coup. Ça fait plus des racines de recherche, ça donne des petits éléments d'octets que tu peux récupérer comme ça. Graines de corail explosif, peut-être plantées ou recherchées. Ah, ça c'est beau ça. Ah, on peut faire des champs. Je suis sûr, je peux faire des champs d'élevage de recherche. Oh, champs d'élevage de recherche, ouais, j'ai rien d'y penser. Putain. Ah, oh, ce serait excellent. Ce serait violent. Objet de recherche. Ah ouais, ouais, non, mais j'expérimente le truc. En plus, on a un tracteur. On va pouvoir faire des petits sillons et tout. Oh, ça va être Astroneer Farm Simulator 2019, oui. Les gars. C'est bon. C'est bon, le concept est né. Vous pouvez le dire en commentaire si vous êtes d'accord et si vous aussi, vous voulez voir la saison 1 de Astroneer Farm Simulator. Sinon, on peut changer de planète. Non, je reste à ma ferme. Hein, d'accord, ok. Non, ok, ok. Non, je me disais aussi. Ah, c'est trop bon. Ah non, mais c'est... Ah oui, mais c'est un gisement de quartz. Ça oui, déconne oui, zéro le truc. Dans tous les sens, hein. Te blinde pas, j'en ai déjà ramené une chier. Hop. Voilà. Trop tard. Je vais quand même essayer de débloquer le four. Je sais pas où il est déjà, je me rappelle trop plus. Bien. Trop bien. Puis il y a des restes d'expédition, mais partout, ouais, c'est ouais, chaud. Ouais, ouais, ouais. C'est chaud, oh là là. Il y a du débris récupérable, by the way, c'est intéressant. Des échantillons, vas-y, donne-moi ça. Hop. Ouais, bon, alors déjà que de base, c'était un jeu qui récompensait, si tu veux, ceux qui faisaient de la recherche et qui fouillaient tout, minaient tout. Là, c'est ça va être l'orgie, hein.
on n'aura pas changé de planète, on aura déjà tout débloqué. Ah, oh là là. Oh là 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 là. Yes. Bon. Ok, et il faut que je trouve de la résine. Petite lagouille, j'ai un minerai qui peut être recherché, je vais donc le ramener pour commencer les recherches dès que possible. Je vais partir par là. Ah, je sais pas du tout à quoi il sert le tracteur, on t'a dit à quoi il servait ? C'est pour aplanir le terrain, je suppose, non ? Non, à mon avis, c'est vraiment le premier véhicule que tu peux avoir pour te déplacer, quoi. Ah, ça va être notre carcasse rouillée ! Ah, d'accord. C'est okay. L'idée. Oh, génial ! Ma petite carcasse rouillée à moi pour ma petite ferme. Oh, c'est génial. Donc voilà, les mineurs mexicains, après plusieurs mois passés dans l'alpha d'Astronir, a décidé voilà, de passer sa retraite bien méritée dans sa ferme, sur la première planète habitable d'Astronir. Voilà. Allez, dis-moi qu'il y en a encore. C'est bon, ils ont plus qu'à m'annoncer qu'il y a des DLC avec de nouveaux véhicules et des choses dans l'espace, c'est bon. Ils ont plus qu'à annoncer aussi s'il est modable le jeu, je sais pas ça. Oh oui, c'est une bonne question ça, mais bon. J'aimerais bien. Écoute, parce que là, à mon avis, la communauté, il y a de quoi faire. Si tu veux mon... Alors, je ne sais absolument pas comment... mode un jeu, comment ça marche, mais étant donné que t'en as qui ont été capables de nous modder Fallout 76 avant même sa sortie officielle, je pense qu'Astronir doit déjà être modé à mort, si tu veux, depuis le temps qu'il a attendu ce jeu. On va pas se mentir, faut se dire les choses vu comment il a attendu. Alors je vais tenter mon expérimentation, tiens. Hop. Comment je te plante, toi? Ah, tu veux, ça y est, d'accord, t'es parti sur la plantation. Ouais. Mais il y a plus qu'il y a qu'à poser en fait la graine. Ouais, je crois, ouais. Et c'est ça, et tu réappuies sur F pour la planter. Ah, oh, c'est trop bien. Ah, il faut réappuyer, d'accord. Parce qu'avant, t'avais juste à la poser, elle poussait là où elle était posée. Oui, et du coup, ouais, et là, du coup, ça distingue. Donc, soit tu les gardes pour les planter plus tard. Soit tu les conserves, voilà, soit tu les plantes vraiment. Ah, c'est pas mal. Voilà, Il y a peut-être une utilité là-dedans. Y a un stock de résine. C'est un truc tout con. Est-ce que le fait d'avoir des graines, ça permettrait pas d'avoir. Non. Peut-être d'avoir plus de... Ah, t'as ramené une recherche? Cool. Oui, absolument. On va voir combien elle est. 450. Hop, là. Alors il me faut une plateforme, déjà. Ok. Oh là 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 là. Bon, mais d'emblée, plein de découvertes, hein. Ça, c'est cool. Ils savent garder leur public. Ça, c'est cool. C'est un bon début. Par contre, je le reconnais, j'ai des ralentissements. Je le dis sans détour. Du coup, t'as les... Bah oui, t'as les ralentissements que moi j'avais quand c'est toi qui hostais, en fait. Tout à fait. C'est pas la mort. C'est dommage. Je vais pas vous mentir, c'est fort dommage. Alors le prout là qui m'empêche de passer depuis tout à l'heure, il va me saouler. Tu vas prouter ailleurs si j'y suis. Voilà. J'ai gagné un succès. Alors là, je les gagne, on veut tu en voilà hein, les succès. Hein. Et ça s'arrête pas là. Je sens que c'est bien le jeu sur lequel je vais farmer les succès. Ce sera peut-être le premier jeu sur Steam sur lequel je vais vraiment farmer les succès. Faut voir que je regarde ce qu'il y a comme succès, justement. Ah, il y en a, regardé. Je crois, une trentaine. Une trentaine, 30, 40 dans ces eaux-là. Oh, je pense que rien que le let's play, quand on aura fini le let's play, oula. On aura fait 90% des succès. Oui, j'avoue. Après Bob Lennon sur Skyrim, le Captain et Over sur Astronir. Bientôt dans vos bacs. Voilà, petit générateur, hop, la plateforme ici, examiner, il me faut le four, et merde, il me manque une composite. Bon, il s'agit de ne pas mourir, il s'agit de pas mourir, c'est... Allez, dis-moi qu'il y en a dans ce coin-là. Voilà, ok, on continue. Pas gentil avec moi, le jeu, ouais, une bon, composite. Le grand classique, quoi, l'endroit est... Et pas hyper dur pour le départ. Enfin, je veux dire, il est potentiellement dangereux, mais moins que les autres, de toute évidence. Oui, bon, c'est comme d'hab, oui.
contre, les grottes, ça déconne zéro, hein. Ouais, les grottes, elles sont super dangereuses, je trouve. Oh là là, par rapport au... à la version précédente, là, les grottes, elles sont mortelles. Ouais, non, mais là, c'est même plus Astroneer, c'est Tomb Raider, quoi. Ah, par contre, du coup, j'ai pas utilisé mon analyse de terrain, du coup, il y a quoi ? Si. Pip, pip, pip. Je vous ferai pas les bruitages. Ok, et là, j'ai trouvé encore une capsule comme on avait trouvé en sous-sol. Mais ouais. Là, il faut apparemment l'alimenter. Maintenez le niveau d'énergie souhaité pour le débloquer. Alors, écoute, moi, j'ai trouvé un gisement de composite. Je dis bien un gisement. Ah, si magnifique. Tu peux les ramener, ça m'arrange. Ah ouais, bah, je vais ramener ça. Hein. Oh, bah, moi, ouais, j'ai trouvé bah, écoute, un cadavre. Ah, promis, c'était pas moi. Non, là, ça te ressemble... Coup, non, il était pas russe, apparemment. Non. Kamalade, pas boire vodka avant d'aller explorer, pourtant. Alors, plutôt, je sais pas si t'as remarqué, mais plutôt que de porter avec la souris les éléments maintenant, tu sais, genre les objets de recherche, les gros trucs, bah, tu peux maintenir majuscule gauche, cliquer dessus, ça fait qu'il le porte à bout de bras et tu peux marcher plus vite. Ah non, je ne savais pas ça. Eh ben, tu testeras, genre tu portes une éolienne moyenne ou un truc un peu gros que tu peux pas mettre dans ton backpack, eh ben tu peux le porter à bout de bras en mais faisant majuscule clic. Génial. Enfin, moi je fais majuscule clic. Ah ça va peut-être un raccourci. Ouais. Je sais pas. Ah effectivement. Mais ouais, effectivement. Ça va plus vite. Oh là là. Bon mais en tout cas, c'est vrai que le jeu est beaucoup plus agréable. On sent que la version est quand même infiniment plus stable. Ça se voit. Le build est quand même différent. Oh, oh c'est beau. Oh le ciel c'est beau, on dirait. Ok, on a les ressources. Oh t'as vu sur la montagne, j'avais pas vu le satellite écrasé sur la montagne. Satellite écrasé sur la montagne. Ouais, en haut de la montagne Toblerone. La montagne Toblerone. On dirait le sommet de la montagne Toblerone. Ouais, il y a un énorme satellite écrasé là-haut. Alors, tac, ça c'est bon, ça je relis. Moi je l'ai pas vu, mais je suis sûr qu'il doit y en avoir un, effectivement. Et il me manque une composite. T'as une composite, s'il te plaît ? Oui, je t'apporte ça. S'il te plaît. Le fou. Là, il est là le petit. Voilà. Hop. 1, 2, non, c'est bon. 3, 4, 5, 6, 7. Non, mais je mets ça dans le trou. Moi, je me contente de viser dans le trou. Hein. C'est bon. Pour une fois. Oh le. Salaud. Merci. Tiens, lui il est jette et moi je suis là. Oh merci, c'est gentil, c'est trop généreux. T'as le capitaine, il est là. C'est ça. C'est un plaisir. Voilà. Je suis en train de faire une plantation de corail explosif juste à côté de la maison, une matière inflammable. Il n'y a aucun danger. Tout va bien. Je gère la situation totalement. Voilà. Donc maintenant, plutôt que de miner, tu vas. Ah ouais, mais t'en as récupéré une chier, en fait. Oui. C'est génial. Il est taré. Il est fou. C'est génial. Il est fou. Je vais faire des expérimentations. Attends, je veux voir s'il y a moyen de faire une... Regarde. Oh, regarde, il y en a une qui a déjà poussé. C'est trop beau. Oh, regarde, juste à côté de la base. Ouais, vas-y, approche-toi. Ah, c'est trop bien. Vas-y, ça fait quoi, du coup si... Oh non. Et ben voilà. Magnifique. En direct live, Hoover a récupéré. C'est voilà, hostile la nature hein, avec Hoover. Oh putain. Attends, les vraies questions, il y avait quoi dedans ? Attends, les vraies questions, il y avait quoi dedans ? Il y avait une graine ou pas ? Mais non, apparemment il n'y avait que dalle. Il n'y avait même pas un peu de recherche ? Ben j'ai rien vu, en tout cas, à part toi mourir, j'ai rien vu d'autre.
Ah, tu n'as pas l'esprit cartésien. Tu n'étais pas concentré sur la vraie expérimentation. Je me suis sacrifié pour la science, moi, monsieur. Premières expérimentations pratiques. Je survis. Moi, je suis dévoué à la science. Que veux-tu que je te dise? Bon, eh ben écoutez, je pense que ce premier épisode aura été assez riche, hein, pour le coup. En tout cas, et il est beau. J'ai bien avancé ce la jeu base, est beau. Non? Ah, la base, ouais, oui, effectivement. Oh. On a déjà la recherche, le four qui est en train de tourner, et... Ah, ben tiens, du coup, je vais pouvoir tester. Et tu vois, tu testes, voilà. Là, oh, tu l'as à bout bien de bras. Et trop tu peux bien un peu sprinter. Vas-y, attends, je te saute dessus, peux... boum. Non. Je peux pas... Non, je peux pas. Non, je peux pas. Je peux pas. Eh oh! Privé. Et mon ballon. Mon ballon. Mon ballon, salaud. Mon ballon. Merde. Il arrête pas de tourner, j'arrive pas à le verrouiller. Viens par là, salaud. Salaud, voilà. Bim, il y a le ballon. Mais... Et non, raté. Voilà. Hop là, à moi. Hop, trop loin, tu peux pas. Les jeux à la con. Les jeux à la ballon con, prisonnier. Bon, bien écoutez les amis, j'espère que ce premier épisode vous a plu. Beaucoup de choses encore à découvrir. Le jeu est beau, il est magnifique, il lagouille un tout petit peu en multijoueur. On va voir ce qui va se passer. Hein. Le jeu est sorti aujourd'hui, donc très probable qu'il y ait des hotfix et des ajouts. Très impatient, je vous renvoie sur tous les autres let's play et gameplay qu'on a fait sur Astronir sur la chaîne. On attend la suite des développeurs, on veut savoir ce qu'ils ont prévu maintenant que le jeu est sorti. D'autres extensions, bref, au moins savoir sur quoi ils travaillent, hein. S'ils nous sortent un DLC dans 6 mois, ils sortent un DLC dans 6 mois, mais au moins savoir oui, où est-ce qu'on c'est en est, qu'on bref. Attend. Pour l'instant, on attend voilà, qu'ils le stabilisent déjà. Voilà, au moins, voilà, on veut être fixé sur l'avenir du jeu. En tout cas, sur les épisodes à venir, on a beaucoup de choses à découvrir, redécouvrir en votre compagnie. C'est pas déjà fait, c'est le moment de vous abonner et de cliquer sur la cloche sur YouTube, sinon vous n'aurez pas les notifications. Et oui, YouTube est comme ça avec les petits YouTubeurs. Sur ce, de gros bisous, n'oubliez pas à liker, commenter, partager la vidéo. En commentaire, dites-nous vos premières impressions, vous aussi qui jouez à Astronir, comment vous trouvez le build officiel d'Astronir. Sur ce, Moonwalk ici présent et moi-même nous faisons des gros bisous et à la prochaine. Ciao. Des bisous Barbu. Got the feeling.